Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un nouveau cours de hongrois. Rendkívül, ça veut dire extrêmement, exceptionnellement, énormément. Rendkívül, rendkívül, rendkívül. Rend, c'est l'ordre, et kívül, c'est en dehors. Donc en dehors de l'ordre, en dehors de quelque chose qui est ordonné. Donc c'est quelque chose qui est d'exceptionnel, en dehors de quelque chose qui est ordonné. Par exemple, en dehors de quelque chose qui sort des rangs, on va dire. Par exemple, rendkívül finom volt ez az étel. Ça veut dire, ce repas était exceptionnellement bon. Rendkívül, donc exceptionnel, génial, waouh, super. Qui sort de l'ordinaire, on va dire. Rendkívül. Finom, c'est bon. Volt, ça veut dire c'était, volt, ez, ce, az, et tel. Donc ce repas, ez, az, et tel. Ce repas. Rendkívül finom volt ez, az, et tel. Tulajdonképpen, tulajdonképpen, c'est en fait, à proprement dit. Par exemple, tulajdonképpen igaza volt. En fait, il avait raison. Tulajdonképpen igaza. Donc, il a raison. Volt, il avait raison. Volt, c'est il avait raison. Donc, tulajdonképpen igaza volt. En fait, il avait raison. Gyakorlatilag, ça veut dire pratiquement, comme ça peut vouloir dire en pratique. Gyakorlatilag. Gyakorlatilag. Gyakorlatilag kész vagyok. Par exemple, j'ai pratiquement fini. Mais on peut aussi utiliser ça en disant, ben, en pratique, j'ai fini. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'avoir fini, on pense avoir fini, mais quand même, on veut l'approbation de l'autre, donc on dit, en pratique, j'ai fini. Gyakorlatilag kész vagyok. Kész, ça veut dire fini, et vagyok, c'est moi, je suis. Donc, j'ai fini de faire ce que j'étais en train de faire. Donc, pratiquement ou en pratique, j'ai fini. Gyakorlatilag kész vagyok. Kiderült. Kiderült. Alors, ça a deux significations. Kiderült, hogy igazam van. Ben, on a découvert que j'avais raison. Kiderült, hogy igazam van. Donc, kiderült, on a découvert, hogy, que, igazam van, j'ai raison. Kiderült, hogy igazam van. Ou alors, kiderült, hogy ki az apja. On a découvert qui était son père. Hogy, donc, que, ki az apja. Qui est son père. Kiderült, hogy ki az apja. On a découvert qui est son père. Kiderült. Ça s'utilise aussi en météo. Quand on dit « kiderült », ça veut dire que le temps s'est éclairci. « Kiderült az ég ». Donc, le ciel s'est éclairci. Et je voulais vous parler de deux autres mots qui sont les mêmes en hongrois et en français. Miracle. C'est « normális », ça veut dire « c'est normal ». Donc, quand on parle, on peut dire « ah, normális ». Ah ouais, c'est normal. « Normális ». Et « fantastikus, c'est fantastique. Fantastikus, waouh, fantastikus. Oh waouh, c'est fantastique. Donc normalish, c'est normal. Fantastikus, c'est fantastique. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau cours de hongrois et à très bientôt pour un autre cours d'une langue un peu. Ciao, bye bye.